Hey hey hey, salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play de Marvel. Oh, on a gagné 4 Simflouz, merci la fée généreuse de notre appart. Alors aujourd'hui, nous allons... bien sûr, on a toujours pas fini de faire ça, je sais c'est chiant, même moi j'en ai marre de le faire. Mais il faut qu'on le fasse, en plus quand on va vendre, on va gagner des pognons. Qu'est-ce qu'elle veut Azenor? Elle est cracra. Ok, et ben maman, elle va te donner un bain. Tu vas éliminer la journée de ta fifi. Et tu vas lui donner un bain de mousse. Voilà. Marouanette, tu vas prendre tes responsabilités. Ah, et t'avais pas fini de manger. D'accord, c'est pas grave, tu mangeras après. C'est là tu pues, ma petite. Alors, vous pouvez constater que Azenor est quasiment aussi grosse que sa mère. On verra de qui elle tiendra quand elle va grandir au niveau de comment dire, de la morphologie. Moi, je me perds dans les mots, je ne sais plus ce que je fais. Allez, ouf! On va aller prendre un bain. Dans les bras de maman, c'est super, ça va vite. J'allais dire, j'ai pas mis de tapis, mais en fait, si, ça va. Oh, la chouchoute! Voilà, elle va te sentir bon après, ce sera très bien. Et pardon. Et après ça, elle pourra finir de manger ses pancakes. Voilà, Pichoun, elle a mis son autre robe. Nabeshima. Nabeshima. On ne boit pas dans les flaques d'eau, voyons, coquine. Voilà. Dis donc, ça fait peur quand même quand ils apprennent un truc, hein, les Sims. Alors, c'est vrai que la dernière fois, on était resté avec l'espèce de bonus malédiction, je sais pas quoi, là. Mais on n'avait pas gagné d'argent. Donc c'était un peu de l'arnaque. Regardez-moi ce bordel. C'est quoi? C'est voué à mourir. Non. Ça, on fera sur quelqu'un qu'on n'aime pas. Hein. Pour l'instant, je sais pas encore qui. Mais on verra. Bénédiction de nouvelles relations. Et donc, il est où? Ça doit être celui-là. Bah non, c'est encore celui-là. Mais... je sais pas, moi. Mais, ah oui, parce que ça remonte à chaque fois. Mais quel est le fuck, quoi? Ça? Alors, activez sur soi. Allez, Marois. Nous, on veut de l'argent. J'espère juste qu'elle va pas crever. Alors. Oh, c'est super! On a gagné... on a gagné 25 Simflouz! Oh, je savais pas que ce serait si dingue. Ouais, bah du coup, tu vas nous faire un paysage, ma belle. J'avais... Allez, il les a mis là. Et une toile en jeu. Allez. Arrête de ranger les jouets, parce que s'ils traînent pas les jouets, après on peut pas... Voilà, enfin, la petite, elle peut pas... Elle a encore ses pancakes dans son truc. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle danse. D'accord. D'accord, Azenor. En plus, ça rime. Alors, Macalébou, il a trouvé un truc... il est excellent. Tu vas admirer ton nouveau bien et le mettre dans l'inventaire. Pour l'instant, il mange un petit peu, parce qu'il faut bien qu'il se remette de ses émotions. Et la petite, étant bien, tu vas commencer à lui apprendre des choses. Tu vas l'illuminer la journée. Tu vas la... Non, pas la prendre dans tes bras. Parce que tu vas lui apprendre peut-être... apprendre à parler. Comme ça, au moins, on a de l'éducation à faire avec la petite. Et on a le temps, elle est toute seule. Donc on peut y aller tranquillement. On peut y aller. Allez, on va prendre à parler à Azenor. C'est trop rigolo! C'est vrai qu'Aleb, il fait de son mieux pour éduquer sa fille. Voilà, c'est trop mignon. Ouh, c'est joli! Et hop, un chef-d'œuvre! Ouais, c'est marrant ça. C'est sûr qu'on doit doubler notre capital pour... 2000 Simflouz. Pour acheter l'appartement dont je vous ai parlé la dernière fois. Donc on y va à fond quoi. On y va à fond, on a besoin de beaucoup de choses, beaucoup d'argent. On est à 44 000. Et il nous faut 83 000. Donc, voilà. Et je pense que ce sera sympa
d'habiter dans un appartement où vraiment on a 100 voisins et tout ça. On sera dans notre petite bicoque, rien qu'à nous. Ce sera vraiment cool. C'est joli ce qu'elle fait. Je crois que c'est un truc comme genre à Venise et tout ça là, hein, on dirait. C'est mignon. J'espère que ce sera un chef-d'œuvre. Non, c'en est pas un. Oui, on vend. Et celui-là, il vaut 667. Bon, c'est pas ce qu'on a fait de mieux dans la vie, mais ce sera quand même ça. Ok, alors maintenant que t'es inspiré, tu vas me faire une toile classique. Et là, tu vas me faire une toile confiante. Vas-y, ma belle. Éclate-toi, fais ce que tu peux, rapporte-nous de l'argent. Donc, Caleb est toujours en train d'apprendre les choses à la petite. J'adore tous les objets. Il est aimé. Oh, c'est trop mignon. Rrr. Bon, en tout cas, la petite, elle a aimé apprendre à parler, tout simplement. Bon, bah, après que t'aies fini de lui apprendre à parler, tu vas l'enseigner le pot. Parce que va commencer à avoir envie de faire pipi, comme ça dure un peu 3 ans, ces trucs-là, au moins ce sera fait, quoi. J'ai hâte de voir comment à qui elle va ressembler, la petite. Marwan m'a encore fait cette superbe toile. 900 simflouzes! Celle qu'on a déjà ici qui est à 838. Donc c'est bien, on va pouvoir la vendre aussi. Ouais, on était à 44 000, on est déjà à 47 000, quoi. C'est vraiment trop cool. Pendant que Caleb apprend le pot à sa fille. T'as toujours faim, toi, mon gars. Hein. Tu vas remanger, hein. Tu vas remanger. Tic, 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 tic. On va racheter des trucs, encore des poches de sang, parce que de plasma. Parce que ça n'arrête pas de disparaître. Voilà. Plaque. Et tu vas m'en prendre deux. Deux. Hop. Niveau 4 de liquidation. D'accord, c'est parfait. Bravo, Calibou. Bravo, Calibou. Allez, maintenant, Zenor, tu nous fais un gros prout. Oh là là. Bon, c'est normal, elle est bon. Ben, pour l'instant, on n'a pas pu lui apprendre grand-chose. Mais bon, quand même. Là, ça va. Ça... Ah oui, 18 h. Bah oui, elle va pouvoir aller se coucher. C'est vrai qu'on perd la notion du temps avec les vampires, quoi. Vu qu'ils sont tout le temps réveillés, on fait plein de choses. Et effectivement, tout ce qui est dodo, bon, on oublie, quoi. Alors, Marwa, un petit chef-d'œuvre aussi, ça pourrait être sympa, non? Surtout, laisse-toi tenter, laisse-toi être inspiré. Hein. Bon, non, elle fait même pas 700 simflouz la toile, mais c'est pas grave, on va la vendre. Oh là là! Oh là là! Je le sens bien. Qu'elle va devoir éducation, discipline, ferme, pas mettre le bazar. Elle en a rien à foutre. Oh, Azenor là, on te parle. Ah, pourquoi dans tous mes let's play j'ai des enfants? Pourquoi? Pourquoi? Eh ben, elle s'est même pas fait engueuler. Hein. Arrête! Tu vas pas la regarder, non? Tu vas l'engueuler? Caleb, tu peux l'engueuler ta fille? Parce que là, je crois qu'elle en a rien à foutre. Hein. Ouais, elle en a rien à péter. Ok! Bon, Caleb. Ah, puis alors, comme elle est en train de hurler, Nabeshima, elle me stresse. Et toi, du coup, tu vas aller endormir. Ah non, je crois que ça peut pas, c'est vrai. Tu vas parler. Tu vas l'enlacer. Et la petite, elle va se coucher toute seule comme une grande, vu qu'on peut pas. Il n'y a pas assez de place, vu que j'ai mis le machin autour, ils peuvent pas. Et voilà. C'est super! C'est quoi, après Marois, tu vas pouvoir nettoyer ça et essuyer. Voilà. Comme une bonne petite femme de ménage. Pendant que Caleb découvre encore des choses. Pouvoir peut-être nous rapporter de l'argent. Mais si tu peux aller au lit, oh là là.
Casse-couille, hein, les gosses. Wow. Dans ta belle chambre, beaucoup de roses, de licornes et de papillons et de lumières et d'étoiles. C'est juste la classe, quoi. Je kifferais avoir une chambre comme ça, moi. Marois, tu peux ranger là aussi, du coup. Histoire de. Et une fois que tu auras fait ça, tu vas pouvoir faire une toile en jouet. Et après, une toile abstraite de Sense Infuse également. Voilà. Et Nabeshima, elle est toujours en train de faire la fofolle. Ouais, il est tard. Est-ce qu'on va pouvoir appeler un chat? On va appeler Balou. Bandido. Et Canaille. On va essayer de voir, mais. Je suis pas sûre que les chats puissent venir. Il est tard, hein, vous voyez. Ah si, il appelle déjà les chats. Et elle a fait. Ah oui, il peut venir, il peut venir, il peut venir jouer, il peut venir jouer. Ah, Balou, il va venir. Ça, ils pourront s'occuper, faire des jeux ensemble, les chats, là. Je suis pas sûre que Canaille puisse passer. Hein. Pourquoi 21h? C'est bon, les deux vont arriver. Eh ben, c'est parfait. Les chats, ils sont tellement en permanence en train de demander de l'attention, c'est un truc de fou. Tu vas donner une friandise, tu vas caresser lui. Et Nabeshima. Oula, ah, c'est encore les voisins qui font le bordel. D'accord, et après on va demander à la Fifi si elle veut bien se reproduire avec. Avec l'un d'eux. S'accoupler avec Balou. Allez. Ce sera plutôt pas mal, hein. Bon, Caléboo, si tu peux déjà te dépêcher. Avec la musique qui va à fond de l'autre côté. Le pire, c'est que dans les caractéristiques de l'appartement, il n'est pas écrit voisin bruyant. Donc, je sais pas pourquoi. Ils nous ont foutu quand même des voisins bruyants, quoi. Mais bon. Comme ça. Non, ma belle, quand est-ce que tu vas être en cloque? Ça suffit, hein, Nabeshima. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le rejoindre sur la table. Est-ce qu'ils vont se battre ou est-ce qu'ils vont se faire des mamours? Je sais pas. En tout cas, il est toujours malade, lui, hein. Donc, tu as toujours pas fait ton accouplage. Mais tu vas le faire, ma coquine, tu vas le faire, moi je te le dis. Hein. Voilà, elle est repartie avec ses chaleurs. Marois. Marois, elle a fini ses toiles. Et bah, tu vas les vendre. Hop, et. Ah, tu l'avais pas. D'accord. 1238, c'est plutôt pas mal. Ah, la petite, elle est réveillée. Bah oui. Voisin bruyant. Ouais, écoute. Ouais, tu peux toujours pas te coucher. Pourtant, dans sa chambre, on n'entend rien. Hein. Léger bruit de fond. Mais bah, c'est pas grave. T'as fini, Marois? Vends à combien elle est? 778, ok. Bah tu vas manger un peu. Ça te fera du bien. Lui il fait un câlin à la chatte. Oh, trop mignon. Ah, les hommes, hein, ils peuvent aussi s'attacher. Hein. Trop mignon. Ok, Marois, tu peux faire un peu du coup le ménage pendant que... Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle passe un savon parce qu'elle a dit des... Elle sait à peine parler qu'elle dit déjà des saletés. Bah dis donc. Mais ouais, mais les voisins, quoi! Bon, Caleb, ça suffit. Caleb, tu vas gueuler. Si c'est possible. Ah, on peut rien faire, d'accord. Bon, bah c'est cool. Super, les voisins, la petite, elle en peut plus quoi, elle va tomber dans. Ah!
Va t'asseoir sur ton lit, ma belle. Ça va venir, à moins que dans la chambre ici. Oula, non, tu peux pas dormir sur le truc des animaux. Non, c'est ça que je voulais faire. Je voulais que tu... Des herbes. Vas-y, je vais faire un peu de jardinage. Merois. Remange un petit peu et tu vas retravailler des toiles. Une toile classique. Et une toile surréaliste. Mais qu'est-ce que tu fais avec la petite? Arrête avec elle! C'est pas possible. Ah, je crois que le bruit s'est arrêté, donc la petite va pouvoir aller se coucher. Allez! Zou! Tiens, mais elle est passée à travers le mur, je crois. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Tout va bien. Parce que j'avais pas encore fait la présentation. Le maroi avec Belou. Le pauvre, il est toujours malade, quoi. Vraiment, on n'est pas... C'est pas notre chat. On peut pas l'emmener chez le véto, quoi. Et ouais, il est malade depuis que je suis punais. Bah oui, mon pépère. Bah oui, mon pépère. Est-ce que vous pouvez devenir amis pour que comme ça on puisse essayer de refaire des bébés? Avec Nabeshima, bien sûr. On peut, pardon, donner les clés de l'appartement à un chat pour qu'il vienne plus souvent. Bon, allez, ma belle Marois, tu vas vendre tes deux nouvelles toiles. Comme ça, on va encore ça puisse s'approcher de. Bah, de ce qu'il faut, quoi. Bon, on en est loin, hein. On a à peine à 50 000 simflous, c'est déjà pas mal, mais ils nous en font 83 000. Donc, faut charbonner pendant que Caleb, lui, il fait les mottes de terre. Marois fait ses toiles. Comme elle est plutôt douée. Hop. Tu vas m'en refaire une, du coup, abstraite. Du 100 simflouz et du classique à 100 simflouz aussi. Il est 7 h du matin dimanche. Choupinette au fouet à la fin. Mais elle n'est pas encore tout à fait reposée. Mais à mon avis, elle va se lever avant que... Avant ça, quoi. Bah, en même temps, elle a raison. Et encore un truc excellent pour Caleb. Tu peux mettre dans ton inventaire, mon petit. On va refaire... Allez, on va finir avec les trucs de Caleb bientôt. Ce sera au moins ça de fait. Il restera encore ceux de Marois. Donc elle a encore fini sa toile. 1087, ça c'est cool. Et puis celle-là aussi, j'espère qu'elle sera bien chère. Oh, ça, on va gagner du pognon, vous voyez. On a encore beaucoup à gagner comme pognon. Mais ouais. D'ailleurs, je vais aller voir ça tout de suite parce que dans l'inventaire, ce truc de collection. Oui, on a quand même pas mal de choses. Mais je voulais voir. En jardinage, on s'en fiche. Les trophées maïs, les métaux, les cristaux, les éléments. Les fossiles, les extraterrestres aussi, les poissons s'en fichent. Les affiches, on s'en fiche. Ces boules à neige aussi, les plumes. Ah, quand même, hein, on en a vu pas mal. Ah, voilà, c'est ça. Tu voulais voir les objets anciens. Et on a encore deux à découvrir. Un rare et un commun. D'accord. De toute façon, après, je ferai sûrement un tri et je vendrai tous ceux que ce qu'on a en double, en triple et en quadruple, mais je garderai évidemment le trésor à Miskin. Péré, c'est Perereka, jeune pousse en saphir en or. Ouais. Mais on n'avait pas une assiette? On n'avait que ça, d'accord. Au pire, hein, on retournera dans la jungle, ça me dérange point du tout. C'est vrai, celui-là, le casse en or. Il y est déjà 2 fois. On a un environnement, on a 850 et 850. Donc, on va pouvoir vendre pas mal de choses qui seront en double. Et c'est plutôt positif, parce que ça veut dire qu'on va se faire des coquignettes en or. Là, on a la statue de Setlxi. Bref. Et là, c'est la même chose. Mais celui-là, il est beaucoup mieux que celui-là. Celui-là, on va le vendre. On va le vendre. On a dit. Voilà. Voilà. Et comme ça fera le tri. Elle a encore pas mal de choses à regarder et à faire. On a un petit extraterrestre aussi. Ouais, voilà.
Mais ça va le faire, ça va le faire. Rapport des droits d'auteur, mais bénédiction mystique. Marois 44 Simflouz. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Là, vraiment, j'ai pas compris. Elle a pas fait de bouquin, Marois. Ou c'est parce que la statue, là, le truc, ça fait qu'on gagne 44 Sims souvent, comme si on avait gagné un roman, quand on avait écrit un roman, je ne sais pas. Celui-ci est un mystère pour moi encore. Tiens, ma belle, tu vas pouvoir manger après cela. Taladale. Qu'est-ce qu'elle a encore, Nabeshima? Bah, Nabeshima, elle est comme les vampires, elle est comme ses parents, elle dort pas. Elle dort jamais, cette petite. Ouh là là! Fifi! Fifi, ça va pas. Non, 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 Fifi. Tu vas ouvrir. Ah, tu vois. Il y a des pancakes, tu vas manger des pancakes. Et tu vas jouer après. T'inquiète pas, ta vie vient à peine de commencer. Mais oui, mais t'es bête toi aussi, alors viens là. Non mais là, ça me gave. Voilà, je peux plus le placer parce que on a les Sims, les machins, les trucs mûches qui gênent. Oh, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Voilà, on va la mettre là, hein. Comme ça, ça va gêner personne. Je t'ai dit d'aller manger tes foutus pancakes. Qu'est-ce que tu me crasses à couilles? Ah, j'ai pas de patience, j'ai plus de patience en fait avec les Sims. Est-ce avec les enfants, là, j'ai trop de let's play, il y a trop d'enfants. Il y a trop, je peux plus. Du coup, la chatte, elle est en train de sentir le truc. Tu veux jouer à la maison de poupée, Nabeshima? Marois, tu peux nous vendre ta toile. 882, t'as mieux fait. T'as fait mieux. Et tu vas découvrir un objet ancien. Toi, t'as pas mal de trucs à faire encore, donc on va y arriver. Allez, encore un truc authentique pour Calebou. Tu vas prendre à manger. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont faim en ce moment? J'ai l'impression qu'ils bouffent beaucoup. Et tu vas... Voilà, toi c'est ton dernier. Au moins on aura avancé là-dessus pour ton propre inventaire. Donc ça, c'est cool. Marois, elle y va un petit peu tout doucement. La petite, elle apprend à marcher. C'est super. On a presque fini de voir ce que c'était pour Marois. Bah c'est cool. Azenor. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Pouvez-vous vous occuper de moi? Elle est où la chatte, elle est là? Tiens, tu vas caresser la pitounette. Amical. Imité. Voilà. On va faire un peu d'interaction avec la chatounette. Allez, Fifi. Les deux Fifi et de la famille. Salut toi, salut toi. Qu'est-ce qu'il y a, Azenor? En train de l'imiter. Ouais, t'as raison, j'ai cru que c'était un chat. Waouh. Qu'est-ce que... Pourquoi elle pique une crise, elle, comme ça? Elle a un problème. Elle a un problème, cette gosse. Tiens, tu pourras empiler après. Marois, elle a reçu un coup de téléphone. Eh ben non, non plus. Non. Pas du tout. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous... Ah, c'est normal, vous avez un bon ami avec Nabeshima. Eh ben, c'est parfait. Vous, vous avez toujours pas découvert vos trucs. Pff, elle me stresse à miauler, cette chatte. C'est un truc de fou. T'as toujours pas vendu ta toile à un collectionneur, Marouanette? On aura quasiment gagné 10 000 Simflouz en un épisode. C'est quand même pas mal, hein. Comme quoi, tout est possible. On peut, du coup, bientôt prétendre à encore 30 000 et on pourra aller acheter l'appartement. Terrasse. Bon, bien sûr, il nous faudra un peu plus parce que sinon, on pourra pas faire les travaux. Médiocre et rare. Ok, bah, tu mets ça dans l'inventaire. Calebou, il a pas encore fini. Il est un peu moins rapide qu'elle, quoi.
Bah écoute, Marois, tu vas nous refaire des toiles? Je te vois, t'es motivée là. Figure mathématique, allez. Et une toile impressionniste à Saint-Simflouz. Go! La petite, elle joue avec ses cubes. Bon, comme ça, elle s'occupe, c'est très bien. Tu pourras jouer aussi avec ça. Et peut-être que papa... Ah non, tu vas peut-être pas faire ça. Papa, il viendra t'enseigner le pot après. Ça au moins. C'est comme elle commence déjà à descendre au niveau du pipi. Ce sera ça de fait. Et voilà. Un solitier médiocre. Bon, bah tu peux le mettre dans l'inventaire. La pitchoune, elle a fini de jouer avec ses cubes. Eh bien, tu vas lui apprendre à aller sur le pot. Trop tard! C'est dans la couche! Ah non, elle a juste fait un gros prout qui pue. C'est pas encore fini. Elle a juste annoncé la couleur, mais c'est pas encore tout sorti. Donc on va du coup la motiver pour que ça sorte. Oh, t'inquiète, Azénor, t'inquiète. Qu'est-ce qu'il y a là? Elle en a marre des cubes, c'est ça? Franchement. Allez, Caillebou. Motive-la. Donc, Marois, elle nous finit ses toiles. Donc, je vais attendre de vendre ses toiles et puis... Viens là, Fifille. T'as pas à rentrer dans le couloir, hein. Quand même. Voilà. Du coup, tu pourras peut-être recevoir de l'amour aussi de ta Fifille. Enfin, ta chatte. T'as pas fini ta toile, Marois. Mais je t'ai pas demandé de le faire maintenant. Tu peux peut-être lui parler. Parler. Ça, c'est quoi? Caresser. Non, tu vas lui parler. Ce sera peut-être mieux. Tu pourras le faire tout en peignant. Oui. Azénor a fait dans son pot. 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 Et elle peut y aller toute seule, ça c'est good. Tiens, tu sais quoi? Tu vas nous foutre la paix, tu vas faire une sieste. Allez. Voilà, ça c'est bien. Et elle a pas, elle a fait, mais en fait, il n'y a pas à nettoyer. D'accord, bon bah tant mieux. Extraire un élément. Ah, bah écoute. Je découvre encore des choses, bah écoute. Kalem, vas-y, hein, franchement. Fais-toi plaisir. Découvre un élément. Ça va pas nous rapporter grand chose. Ah non! Ben non! Non, non! Non, non, si je dis des bêtises, on en a besoin pour. Conseil de géologie? Non. On remet dans ton inventaire, mon coco. Tu as mangé un truc et je vais te remettre à l'écriture, puisque ça fait quand même longtemps que tu n'as pas fait d'écriture. Et la compétence. Guide d'archéologie? Ah ouais, grave! C'est vrai qu'il a la compétence 10 maintenant, hein, si je dis pas de conneries. Ouais, archéologie 10, grâce à tout ce qu'on a pu faire. Un sujet à creuser. MDR. Au moins, on va gagner de la thune comme ça, moi, je vous le dis. Bon, cocotte, on attend plus que toi de finir tes toiles. Caleb peut désormais écrire des livres de science-fiction. Et tu vas surtout nous rapporter plein de pognon. Allez, tu finis ta toile. Tu vas vendre celle-là. Et puis, il sera pas mal. La petite, elle dort encore. Ouais, avec son truc en plein milieu. Bah ouais, non, mais là, quand même. Et après, on pourra lui apprendre des choses. Voilà. Elle a fini. Tu peux vendre un collectionneur. Franchement, c'est pas gramin, hein, ce que tu nous rapportes. Hein. Gramin. Gramin, ça veut dire beaucoup. C'est du ch'ti. Voilà, comme ça. T'es un peu buggé, non, ma jolie? Non, parce que bon. Ils sont dissimflous. On a connu mieux, hein. Alors, Fifi, elle est réveillée. C'est parfait. Tu sais quoi? C'est Marois qui va se mettre à lui apprendre des choses. Tu vas pouvoir lui apprendre. Alors, non. Éducation. Apprendre à aller à satisfaire ses besoins. Demander de se laver, faire une grimace. Non. Alors, c'est pas dans l'éducation, ça doit être dans amical. Carte de support visuel. Les besoins de base. Voilà. Allez, maman Marois. On s'occupe de la petite. Ça t'intéresse d'apprendre les besoins de base? Akakakoupoupoupa? Oui, voilà.
Alors ça, c'est se brosser les dents. C'est pour pas puer de la gueule. Enfin, il n'y a pas que les dents hein, qui font que ça pue de la gueule, mais bon. Entre autres, déjà, ça peut aider. C'était quoi après? C'était une casserole? J'ai pas compris. Ah non, c'est une poêle. Ça, c'est faire à manger. C'est pour faire les pancakes. Tu sais que tu manges. Que maman, elle t'a fait à manger. Ben voilà. Ça, c'est pour les pancakes. Poêle à pancakes. Oui, d'accord. Maintenant, c'est le lit pour dormir. Voilà, c'est comme ça. Bon, allez, là-dessus que je vais vous laisser. J'espère que cet épisode vous aura plu en espérant vous revoir la semaine prochaine ou pour un autre épisode de n'importe quel let's play, de jeu ou comme ça que je fais. En tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Allez, salut.